Art Flashley, surveillé par Lefebvre, remet quand même à Sutter. Oh, oui. Les deux numéro 44, Richer et Gunstrand. Gunstrand. Oh, oh, Richer, là, c'est de la frustration, sans aucun doute. Oui, mais là, il a passé le chaos à Gunstrand. On l'a vu tomber. Là, finalement, c'est Lefebvre avec Flatley. On ne s'est pas donné de coup encore, mais pour employer une expression populaire, Richer a gelé Gunstrand. D'une bonne droite. Un peu comme Kevin Denis l'a fait avec Cluzac cette semaine. Cluzac qui avait reçu une bonne droite sur le museau et quand il a voulu se relever, il est retombé sur la glace. Alors ça, c'est signe qu'un bonhomme est étourdi. Et là, Gunstrand adresse des reproches à Richer, mais je pense qu'il en a eu pour le compte. En tout, il y aura 4 joueurs chassés par l'arbitre. Les Islanders mènent 5. De l'action, on va vous montrer comment tout ça a commencé. Richer qui est allé frapper Gunstrand. Se sont regardés. Gunstrand se contentait de regarder Richer, mais Richer a jeté les gants le premier. Révolution aux Islanders. Il a porté le premier et le dernier coup. Je tentais de voir avec la reprise si Gunstrand n'avait pas porté un bâton un peu haut devant Richer lorsque ce dernier s'est amené.